Une exclusivité TVA Nouvelle maintenant, c'est un jeune homme de Beauharnois qui fait face à des accusations de voies de fait et de menaces à l'égard d'enfants dans une garderie en milieu familial. Yves, c'est vraiment le pire cauchemar pour tous les parents. Oui, c'est un avant-goût de ce qu'on va vous présenter au TVA 18h. Vous parliez de pires cauchemars pour des parents, surtout quand vous apprenez que vos enfants auraient été victimes d'abus physiques, d'abus psychologiques à l'intérieur même du milieu familial de cette garderie qui devrait, on le sait, Julie, être un lieu de protection, un lieu de paix. Alors, voyez les images, les photos, pardon, à l'écran d'Hermel Girard. Il a 21 ans. Il a formellement été accusé il y a quelques semaines en février des accusations de voies de fait, de menaces et de harcèlement à l'égard d'enfants qui se trouvaient à l'intérieur de la garderie en milieu familial de sa mère à Beauharnois. Sa mère se serait absentée, laissant justement la garde des enfants à ce jeune homme. Et vous savez, les policiers auraient mis la main sur un enregistrement où on entend le jeune homme crier après ses enfants, les menacer. Et tantôt, je me suis entretenu avec une mère de famille qui, cette journée-là du mois de novembre, quand ce serait produit, ces événements-là, avait deux de ses enfants, deux garçons de 3 et 2 ans. On va écouter son témoignage, Julie. Qu'est-ce qu'on entend dans cet enregistrement? On entend le fils, dans le fond, de la gardienne qui crie après nos enfants. On entend qu'il frappe un de nos enfants. Il lui dit de fermer sa gueule, qu'il arrête de pleurer. Après ça, il va voir l'autre, celui qui a frappé. Il lui dit que s'il n'a pas compris la première fois, il va le frapper encore plus fort la deuxième fois. Des choses comme ça pendant un bon 4 heures de temps. Et quand les enquêteurs vous ont soumis ces enregistrements-là puis les avez entendus comme parents, ça a été quoi votre réaction? Ça a été la fin du mot. Ça a été... Tu te sens en tant que parent, t'as pas été capable de protéger tes enfants quand c'est même pas toi qui es coupable, mais tu sens de la culpabilité en dedans. Aucun parent veut vivre ça, jamais. Tu as confiance en ces personnes-là. Mes enfants étaient là depuis plus qu'un an. Ils les aimaient. Nous, en tant que parents, on avait confiance. C'est dégueulasse. Et vous avez sollicité une entrevue auprès de l'accusé? Oui, Hermel Girard, je suis allé le voir tantôt à Beauharnois. Je lui ai demandé de m'offrir en entrevue cette version, sa version des faits. Voici comment il a répondu. Est-ce que tu voulais répondre à ça pour l'événement qui s'est produit au mois de novembre? Non. Ta mère, es-tu ici? Non. Elle n'est pas là? Non. Qu'est-ce que tu avais à dire pour ta défense dans ce dossier-là? Je sais que tu as plaidé de non coupable, là. Moi, j'ai rien à voir là-dedans, là. Ce qui s'est passé, tu te souviens ce qui s'est passé dans la garderie avec les... Je réponds pas. Je réponds pas. D'ailleurs, lorsqu'il a été accusé en février dernier, Hermel Girard a plaidé non coupable aux trois chefs d'accusation. Son dossier sera devant le tribunal, de retour devant le tribunal au mois de mai prochain à Salaberry de Valleyfield. Voilà pour cette affaire. On s'en reparle à 18h. Merci, Yves. Merci, Julie.